Suite maintenant de notre série consacrée à la haute couture pendant le Festival de Cannes. Nous avons suivi toutes les étapes de la création d'une tenue de soirée. Hier, son modèle a essayé la robe et aujourd'hui, cette actrice part en shooting photo pour se préparer au grand soir. Et comme Cannes, c'est la fête du cinéma, la robe nous raconte elle-même son histoire. Robin Rico et Louisa Patricio. C'est une grande traîne bleue, celle de la Méditerranée. Ivan, mon créateur, m'en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, toute la collection a rendez-vous avec un photographe sur la terre qui a vu naître notre père. Oh, what a beautiful dream. Le fait d'être né à Nice et de retourner après plusieurs années à l'étranger, pouvoir vraiment faire avoir ma passion réalisée dans ma région natale, c'est vraiment un moment. Oh. Moi, je reste à l'abri du vent et de la poussière. Il ne faudrait pas m'abîmer avant le tapis rouge, non. Aujourd'hui, ce sont les autres ensembles qui vont faire honneur à Marie-Lou. Plus que quelques minutes avant le shooting, il y a de l'agitation dans sa loge de fortune. Ça fait partie de la beauté du moment. Avec une grande audience. Un spectacle. Tu peux tourner. Derrière l'appareil, c'est Élie, l'époux de Marie-Lou. Il risque d'être jaloux lorsque tout le monde la regardera monter les marches. Such a high standard. Elle met la barre très haut. Je vais réfléchir toute la nuit à ce que moi, je pourrais porter pour être à la hauteur de la robe de Marie-Lou. La mer a la même couleur que tes yeux. C'est parfait. C'est superbe. Ça, c'est le jaune. Ici, c'est trop bien avec le jaune. Tu vois ? Elle est trop belle. That is so beautiful. Oh, j'adore trop. Le jaune. J'adore celle-ci. Le shooting au bord de l'eau, c'est une idée d'Ivan. La mer coule dans ses veines et il y a de la Méditerranée dans chacune de ses œuvres. Dans les couleurs ou les ondulations sur le tissu brillant. Mais par-dessus tout, ce sont les Méditerranéennes qui le fascinent. Autant de sirènes qui habitent son imagination. Tout a un sens en fait maintenant. C'est ce que j'avais en tête qui est vraiment réalisé en réalité. Donc ça se concrétise, un rêve qui se concrétise. Gorgeous. Superbe. C'est comme si ma vision prenait vie. C'est beau. Dernière escale sur le toit du monde pour photographier l'autre ensemble. L'occasion aussi de réaliser quelques retouches. On s'assurait de ne pas avoir de sous-vêtements. Pour que ce soit élégant, toujours. Dommage que je ne sois pas déballé aujourd'hui. Je ne serai pas sur les photos. Non, pour moi, la gloire sera éphémère, le temps d'un passage sur la croisette. J'ai tellement hâte. Et Marie-Lou aussi. Elle ne vit que pour le cinéma. C'est de la passion, c'est de l'amour, de la lumière, les étoiles et tout. Et c'est vraiment dans le cœur. Pour le créateur, il y a aussi beaucoup de passion. Mais ce tapis rouge est surtout un pari sur l'avenir. Cette montée des marches pourrait nous donner à tous les deux de la visibilité. Il compte sur moi. Allez, direction Cannes pour mon propre tour de piste.